Salut tout le monde, c'est Standyard. On se retrouve pour une nouvelle série sur du Minecraft. Et comme vous pouvez voir le teaser de la dernière fois, sur le teaser, rappelez-vous, mon intro mais avec un dragon. On va se retrouver pour faire le dragon, les amis. Donc déjà, je vais enlever mon game mode parce que j'ai fait la structure avant pour que ce soit un peu plus badass. Sauf que, au lieu d'avoir un dragon tout basique, option secret setting. Et nous allons le faire avec des handicaps comme ceci. Et oui, le dragon bourré. Oh là là, les bruits me font... C'est bien de me dire en fait, quand je vois les bruits... Mamelou. Je sais pas si c'est normal. Ouh, c'est impossible. Ça, c'est impossible quand je dois faire le dragon comme ça. Donc j'ai combien à faire tous les super secrets de setting. Ouais. Je passe ça. Oh my god, c'est impossible ça. C'est un pack de texture le truc. Oh, c'est impossible ça. C'est en noir et blanc. Oh, what the fuck. Et nous allons le faire comme ça, pour moi c'est le mieux. Donc on va prendre notre stuff. Donc j'ai décidé de prendre ce stuff là. Car pour moi c'est encore bien ce qu'il faut. Du coup j'ai pris une armure en diams. Parce que je vais pas... Peut-être vous foutre de ma gueule hein, mais c'est la première fois que j'ai fait le drake. Le dragon. Je n'ai jamais fait l'arme de dragon en survival hein, de toute ma vie. True story, hein, true story. Donc nous sommes partis et nous allons faire le dragon en étant comme ça. J'ai peur les amis, j'ai peur. Ok, donc déjà on spawn comme ça. Déjà on spawn ici. Ok, bon à savoir. On spawn pas dans une maison, enfin dans une montagne. Pourquoi? Ah! Cette vidéo est déconseillée aux épines épiques, hein, bien évidemment, je pense pouvoir le dire. Oh là, qu'est-ce que ça mine pas vite avec une pioche. Coucou le petit Drakey. Donc le Drake est juste à côté. Alors c'est parti, on va commencer par péter les Under Crystal. Ok, le Drake est là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, multicolore. Vous avez vu, on dirait que mon arc il est enchanté. Il est où? Où est ce Drake? Je vous préviens, j'ai crié hein. Ok. Touché. Elle est là. Attention. Nice. Bon, on va faire tout ce qu'on voit. Et sur les grands piliers, on les fera après. Donc, comme vous avez pu voir, je me suis givé que 64 flèches. Car je me dis que quand j'en aurai plus, bah, ce sera mon problème et je devrais monter à pied. Sur les Under Crystal. Voilà. Où est-il? Il est là. Oh, c'est affreux, mais c'est pas le pire. Ok, là-bas, j'ai pété. Oh, sale moche. Je sais pas si c'est du feu. T'y est moche. Vas-y, attends. Ok, donc il y en a un là. Ok, donc là-bas c'est du feu. Oh putain, il y en a un là-bas, il va être haut. Je sais pas. Je ne sais pas si je le touche. Je sais pas si je suis haut, si je suis bas. Attendez. Oh merde, j'oublie mon seau d'eau. J'ai oublié mon seau d'eau dans le truc, je crois. Casse-toi. Il est juste là. Voilà, je l'ai eu. On va essayer de faire, on prend le maximum de dégâts. Attendez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'Underman. Attendez. Ah ok, je suis plus foulé, excusez-moi. Allez, Underman popé.
Attendez, regardez. Excusez-moi. Hein. Petit fail, je fais. Petit dos vite, c'est bien fait. Ma chambre, le port de ma chambre vient de s'ouvrir. Voilà. Parce que le démon est dans ma vie. Oh là, ça me fait laguer au possible. Je regardais même pas, putain. Je regardais même pas. Je regardais même pas. Yamete kudasai. Yamete. Yamete. Putain, mais laisse-moi faire un abri. Oh, bâtard. Putain, j'aime pas ce bruit. Ok, merci le dragon. Voilà, là, il peut pas me taper. Voilà, là, t'es déçu, hein. Petite merde. Voilà, je retire mon abri. Ok, là, je viens de me faire. Garde-moi, regardez. Allez, viens, petit. Mais tu peux m'avoir, en fait, t'es con, hein. Allez, casse-toi. Allez, t'es moche, t'y pue. Allez, nice. Ok, nice, le dragon qui broque. Nice, got it. Je crois qu'il n'y en a plus, je crois qu'on peut commencer à attaquer les dragons. Oh, je connais vraiment pas le système d'Underman. Je connais vraiment pas comment ça se passe et tout. Il a pas l'air de se régénérer, ça c'est bien. Oh merde, j'ai raté. Raté encore. Putain, fais gaffe quand même. 100 milliards de. Ah, mais faut que j'arrête de gaspiller mes flèches. Il me reste plus que 42. Tu me diras, 42 c'est quand même beaucoup. Ah non, c'est plus d'Under Crystal, je suis plus malin. Hein. Ah oh, putain de merde. Fonce-moi dessus, pauvre con. Ah oh, c'est affreux. Avec ce genre on dirait un texture pack mais dégueulasse. Il a cassé ma tour que j'avais fait. En fait, il m'a foncé dessus. Touché. Coulé. Tous les dégâts que je mets maintenant, c'est des dégâts qui resteront vu qu'il n'y a plus d'Under Crystal. Vous me faites peur, putain, les Underman, je vous déteste. J'ai plus de bloc. J'ai plus de cobblestone. Il est où? Ah, t'es là, toi. C'est ça, fuis! Fuis, pauvre enfant, respecte ma puissance, bébé. Coucou. Mon style est amphibien. Corridor. Tu vas sous ces marques. Castor. J'ai tapé avec l'arc. C'est très efficace. Putain, plus que 32 flèches, j'en ai mis aucune. Genre. Ouais, nice. Deux. Je sais vraiment pas faire un dragon, hein, je vous jure, je suis un petit peu un noob. Il a pas l'air de se faire régénérer, donc je pense qu'il y a vraiment plus d'Under Crystal. Je pense que c'est le zoom de petit Fine qui est faute. Oh là 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 là, mais PGM. What the fuck is happening? Mon style est sans fuyant. Oh là 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 là! Eh, je suis en train de le sniped. Get sniped, hein.
Regardez un pied. Oh là là! Viens là, petit dragon! Get, c'est cool! Et des couronnes. Allez! Ah voilà, ça a touché, hein. Vous l'avez pas vu, mais ça a touché. Plus que moyen, 23. Ah, ça va tellement pas le faire. Je vais me remettre à attendre qu'ils foncent sur moi. Ah là là, ça me fait mal aux yeux. Mais on s'habitue en fait. C'est pareil, quand on le touche, on dirait qu'il est épileptique. Genre, blablabla. Genre, c'est bomard le truc. Voilà. Là, on le mitraille, on essaie de le mitrailler. Genre, attends. Tu sais qu'il est pas chiant. Tu peux pas Tess. Allez, un petit coup d'épée dans ta bobouche. Fais moins de dégâts. Fais 7 de damage. Mon épée fait 7 de damage. Je dois avoir genre quoi, 100 points de vie. Bon, normalement je devrais pas mourir. Mais en fait le problème c'est que ça va être long. Je pense pas que je serais vrai. Oh putain, j'ai rien à me normal. Tu vas manger mes fesses. Père Castor. Non, c'est dégueulasse. Désolé, ça arrive de temps en temps. Allez, putain de merde! Oh, dommage, je viens de me toucher. Point de flèche, 10, 14. J'en aurais pas assez, je dois en finir à la main. Heureusement qu'il y a besoin de cristal, vous me direz. Allez, viens! Et des petites coucouilles. Oh, c'est Tovakin. Oh putain, c'est vomitif. Non mais le pire, c'est quand je travaille la tête à l'envers. Hein. Genre ça va être un job. Ah putain de merde. J'en ai mis deux. Il m'en reste 10. Hein. Je suis en stack. Je pense la prochaine fois. Enfin, je pense à en prendre plus. On a bandé l'arc. Hop là! Nice, on va esquiver. Putain, je gaspille trop! Je peux pas m'empêcher de tirer, c'est addictif! Il est où? Oh nice! J'ai mis deux coups d'épée là. Là, il les a sentis passer. Donc le dragon est midlife, là c'est bien. On est bien. Pour ceux qui se demandent, je suis en 1.8. Nice, encore un double. Je suis en 1.8 parce qu'avec l'1.9, le nouveau système de Thunderman, Jack là, je comprends pas des fois. Pourquoi il m'agresse? Yes. Pourquoi il m'agresse? Alors là, en 1.9, je veux dire, c'est vraiment le bordel. Oh nice, encore deux. Et après, là, tu me fais, ce serait parfait. Alors, j'ai envie une flèche, ça aurait été vraiment le must. Je vais prendre un petit peu de. Denstone. Il est où? Il est en haut. Oh, c'est vomitif! Putain, je vais gerber, je crois. Sinon, pour le truc de Minecraft. Minecraft Story Mode, ce n'est pas de ma faute si je fais plus de vidéos, c'est que le jeu, bah clairement, j'ai un petit doute sur le fait que, en fait, les créateurs du jeu, et en fait, ils ont fait le jeu, ils ont fait deux chapitres, donc les deux chapitres, et ils ont quand même arrêté le jeu parce qu'ils ont fait assez de thunes. Et j'ai peur que s'ils ont fait ça, clairement, bah genre la communauté, on sera pas très content. Bah, je l'ai pas mis trop. Une flèche, putain, oh, ça tellement j'aime le faire. J'aurai bientôt plus de flèches. Donc voilà. Donc j'ai bien peur que, ouais, ils ont décidé d'arrêter la communication du jeu. Dernière flèche tirée. Je n'ai plus de flèche. Bon, elle finira à l'épée, hein, que voulez-vous?
Elle était moche. On n'a pas vu d'Undermite. C'est pas vraiment étrange, on dirait. Mais... Ah, j'ai même pas pu le taper. Là, il m'a tapé, j'ai même pas pu le taper. Cette box est petite, hein. Il n'y a plus beaucoup de PV. Vais-je réussir mon premier dragon? Me diriez-vous, je suis quand même full diams, mais bon. Nice, un petit coup d'épée. Il m'a tapé. C'est pas tant de dégâts que ça que vous avez normalement diams, hein, clairement. C'est pas sûr, non. Je suis quand même bien modélisé. De toute façon, il n'y a que 3 boss dans Minecraft hein, quand tu penses. Il y a le Guardian géant. Et le Guardian géant, il y a le dragon et le Wither. C'est bien que ça rajoute un petit nouveau. Oh là là, tellement fucking passionnant ce combat. Spacious Shamaners. Optifine est ton ami. Enfin, ton ami dans l'end, pas vraiment, parce que si tu souffres sur Norman avec Optifine, c'est très gros. C'est une little bitch chiant. Ah, ça serait tellement bien si j'avais des flèches, bordel. Putain, je sais pas qui me faisait dessus. Pélia et tout. Je vais raconter une petite anecdote, un true story. C'est un jour, j'étais en cours de français. Et en fait, la prof nous a demandé, mais comment vous avez fait pour faire... quoi vous avez fait vos exercices de français? Parce que vous étiez sur de la conjugaison. Et en fait, il y a tout le monde qui disait genre, moi, bah, je suis sur mon bécherel et tout. Et moi, je dis, internet ton ami. En fait, elle a cru que c'était un site. Elle a cru que c'était un site internet ton ami. Du coup, elle a commencé à noter sur un bout de papier internet ton ami, oh, j'irai voir et tout. Oh, c'était trop marrant. Voilà, je raconte ma vie.com. Allez, je pense qu'il lui manque plus de coups d'épée. Il va die. On verra de récupérer l'œuf, même si on pourra pas. Parce qu'on a pas de torche. Donc on récupère pas l'œuf. Allez Jean-Claude, viens, 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 s'il te plaît, ne attendons que toi. C'est bien. Easy, pèse. Et donc, tuer le dragon en étant bourré. Et du coup, vu que j'ai fini le jeu, le super scrating s'est enlevé. On va mettre lui pour finir. Oh non! Il doit être trop dur. Voilà, on est revenu à la normale. Et donc, on va essayer de monter le maximum de level. Et après, on verra pour battre ce score. Écoutez, il est là, l'œuf. On va essayer de prendre. Je sais pas du tout comment, mais on va essayer de prendre. Je n'ai rien pour. Merde, j'ai tapé. Bon, écoutez, Aswell, hein, allez. J'aurais réussi à le faire tomber dans le portail. Bon, laisse tomber. Allez. Bon, j'ai tombé au pire. Allez, nous avons fini ce défi. Et donc, nous avons réussi le premier dragon. Félicitez-moi en super secret setting bourré. Je pense qu'on pourra dire bye bye pour ce premier épisode de Le Dragon Bourré. La prochaine fois, nous serons... Je pense que je vais prendre... un bien hardcore quand même, parce que lui, il n'était pas difficile. Lui, ça me paraît vraiment trop dur, genre... Non, peut-être pas celui-là, il est pas assez hard.
faut un truc bien chiant. Ça c'est clairement impossible en fait. Je pense qu'on prendra celui-là. Allez, va pour celui-là. Allez, on prendra celui-là. Allez, bye bye tout le monde.